Reims, tombeur de Lille lors de la journée précédente, s'affiche plus que jamais comme bourreau des gros après s'être également imposé à Marseille et à Lyon au match aller. Mais l'OL est en forme actuellement avec une semaine faste ponctuée d'une victoire contre Sochaux, puis l'OM en quart de finale de Coupe de la Ligue. Rémi Garde fait confiance au même 11 que lors des deux derniers matchs avec notamment Gourcuff retrouvé en soutien de Gomis et de Lacazette. Mais ce sont les Rémois qui se procurent la première situation dès la 6ème minute avec ce rush solitaire d'Aïté. Et Anthony Lopez, maintenu au poste de gardien en tant que numéro 1, réalise la parade. La réaction immédiate des Lyonnais, ce coup franc joué rapidement entre Grenier et Gourcuff. Et la frappe du milieu lyonnais est stoppée par Kossi Agassa qui a de la réussite de voir ce ballon lui revenir dans les mains. Mais au fil des minutes, Lyon imprime son rythme et on voit de plus en plus Henri Bédimo qui s'infiltre entre deux défenseurs rémois. La frappe pied gauche du latéral camerounais heurte le poteau. Ensuite, la balle lui revient dans les pieds, mais il ne peut convertir ou la passer à Bafétimbi Gomis qui attendait une offrande. En tout cas, les Lyonnais dominent outrageusement cette première période. Et on retrouve une nouvelle fois Henri Bédimo étincelant cet après-midi. Il passe comme dans du beurre dans la défense rémoise. Cette fois-ci, il donne le ballon à Alexandre Lacazette. L'enchaînement de Lacazette est impeccable. Le petit crochet pied droit pour se mettre en position de frappe pied gauche. Il est masqué Kossi Agassa. La frappe est peut-être légèrement déviée. En tout cas, ça fait 1-0 pour l'OL. Après 25 minutes de jeu, c'est le 10e but d'Alexandre Lacazette cette saison. Peu avant la mi-temps, les Rémois vont avoir une situation sur coup de pied arrêté avec cette tête de Weber qui heurte la barre transversale. Et ensuite, Anthony Lopez est très réactif pour enlever ce ballon au nez à la barbe de Krikoviak. C'était une très chaude alerte dans la surface de réparation lyonnaise. Et Anthony Lopez, toujours aussi kamikaze, toujours aussi décisif. 1-0 pour Lyon à la mi-temps. Jean-Michel Aulas peut être satisfait car Lyon montre un très beau visage en ce moment avec une belle prestation en milieu de semaine face à Marseille en Coupe de la Ligue. Et toujours ce soir avec un Johan Gourcuff très dangereux sur coup de pied arrêté. Kossi Agassa légèrement avancé est obligé d'effectuer une claquette décisive. Nous sommes à un quart d'heure de la fin. Reims a des occasions. Reims a profité du recul de la défense lyonnaise pour se procurer des situations, mais la tête de Nicolas Depréville ne trouve pas le cadre d'Anthony Lopez. Nous sommes en fin de partie. Lyon a su faire le dos rond et Lyon va piquer grâce à cette frappe de Gaïda Fofana. Il n'est pas attaqué, le milieu de terrain défensif lyonnais. Il en profite pour signer son premier but de la saison d'une magnifique frappe pied gauche qui va se loger dans la lucarne de Kossi Agassa. 2-0 pour l'OL. Une belle récompense pour Gaïda Fofana qui vient de prolonger son contrat avec l'Olympique lyonnais jusqu'en 2017. On en restera là. Victoire 2-0 de l'OL, coup d'arrêt pour Reims et confirmation pour des Lyonnais irrésistibles en 2014 et qui poursuivent leur ascension vers les places européennes.